En fait, j'ai quelque chose à te raconter. C'est sérieux? Ah oui, c'est sérieux. Dis. En fait, je vais me marier. Tu vas te marier? Ouais. Toi, tu vas te marier? Oui, moi, je veux me marier. Le mec qui n'a pas eu une femme plus long que 2 semaines, 3 semaines, il va se marier. Avec qui? C'est pas une fille. T'es pédé? Mais non, t'es fou quoi. Le mec avec qui je vais me marier, il est pas pédé non plus, hein. Et vous baisez ensemble? Non, t'es fou quoi. Non, 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 pas du tout, hein. On est amoureux. Amoureux quoi, amoureux platonique ou quoi? Ouais. C'est l'amitié. Non, Faut pas non, tarder. je suis amoureux de lui. Tu le connais très bien, lui, hein? C'est qui? Tony? Tony! Tu vas te marier avec Tony! Oui, Tony? C'est une blague. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut avoir un enfant. Pour un bébé, t'as besoin d'une femme. Hein? C'est qui la femme? Ben oui, mais qui a dit qu'on n'a pas enfant? C'est qui cette femme? Jennifer? Jennifer est la mère porteuse. Tu vas te marier avec Tony Ouais. et tu vas avoir un enfant avec Tony, avec la mère porteuse Jenny. On s'aime, vraiment on s'aime. Alors pourquoi pas se marier? Pourquoi pas baiser une vraie femme, avoir un bébé avec elle, te marier avec elle et avoir Tony comme ami et vous faites des week-ends au, je sais pas où Non, parce qu'on ne veut pas nous faire chier avec une femme et tout le bazar, tu vois. Ok, Jennifer, elle a tombé ensemble. On la paye, on va avoir l'enfant. Au revoir, Jennifer. On se marie et on va avoir une belle vie. Voilà, c'est tout. En fait, on aimerait bien que c'est toi qui nous maries à la commune. Rhume, c'est mon boulot. Je Pourquoi vais pas? pas faire les blagues avec toi et Tony. Voilà. Moi, je fais des mariages sérieux, hein, Mais tu c'est pas vois. une blague. On s'aime. Rhume, un mariage, c'est un homme et une femme, ou 2 hommes, plus amour romantique, plus baiser, sexe. Mais C'est pourquoi? obligatoire, c'est autrement t'es des amis. Mais on s'aime, tu vois, c'est l'amour de ma vie, Tony. Je m'imagine pas ma vie avec une autre personne, c'est lui. Quoi? Pour que tu aimes une personne, tu dois avoir sexe avec cette personne? Allez, Vincent. Ça nous ferait vraiment plaisir que c'est toi qui nous maries. Mais après, c'est pas moi qui va signer les papiers de divorce. Et c'est une idée à la con, note que je l'ai dit. Félicitations.